C'est ça que j'ai débloqué là? C'est par là? Non, non, c'est comme ça en fait, t'as plus besoin de faire le mécanisme. C'est là? Le mécanisme est très chiant, ouais, vas-y par là. Tu vas revenir au... On va revenir au début et puis on va pouvoir. Tu vois, genre la toute première salle, à droite, quand tu rentres, où il y avait les. Où je vais faire le gros saut d'enfoiré, là, le tout premier. Ouais. Bah là, par exemple, tu vois, on peut. On va pouvoir débloquer le truc à gauche qui était en glace. C'est où? Vas-y, c'est en bas. Et y'a, t'attends. Attends, parce que je vois qu'il y a. Il faudra remanier deux minutes. Faut juste regarder un truc. Parce qu'il y a toujours le. Là, 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 t'as plein de glace là. Il y en a plein, mais c'est juste pour voir parce qu'il y a un coffre qui est resté là. Bah, mais je sais pas si on peut le. Voilà. Là, on va pouvoir aller dans l'endroit secret là. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Il va y avoir un truc là-bas. Vas-y. Franchement, à la ZAB, t'y vas, tu sautes. Ouais, mais des fois, je sais pas si dans celui-là ça le fait aussi. Quoi? Genre, si t'as pas le truc, ouais. Tu peux pas? Si. Si, si, tu peux. Là, c'est la clé! C'est la clé, c'est la clé! J'en suis sûr! C'est la clé qui manquait! Ouais, mais après, je pense que. Autant faire le tour du bas, tout cligner en bas. Ah non. Ah putain, c'est une fée de merde qui sert à rien. Je sais pas à quoi elle sert, ces fées. Bon, en fait, on débloque la grosse fée qui nous débloque un autre pouvoir magique. Alors des fois, ça peut être un coup d'épée ou comme ça. Enfin, je sais pas. Les autres, elles filent des. Parce dans que le... dans le premier donjon, on n'a pas eu toutes les fées, hein. À mon avis, alors, ou alors elle t'augmente ta. Mais je pense que c'est pas forcément. Ou elle t'augmente ta barre. Ah, peut-être, ouais. Donc c'est pas. C'est pas forcément. Ça, tu peux finir le jeu sans, quoi. Ouais, je pense. Et y a quoi dans l'autre bloc de glace là? Y a pas un coffre ou un truc comme ça? Oh, fais gaffe! Y'a encore un autre bloc de glace au fond là-bas. Vas-y, pédé. Attaque. Oh, j'en fais plein. Ah, merde. Toi aussi, tu crois que c'est la caméra? En fait, non, pas du tout. Ah, y a un interrupteur, en fait. C'est ça. C'est ça qui va tout. Va tout débloquer. J'aime pas ça les. Ça glisse. Ah, oh ça j'adore ça. 2 heures de jeu, on tient le coup. En bas, jeu, il a bugué. Hein? Le Twitch, ouais, il a bugué en bas. Ouais, il faut le réactualiser de temps en temps. Ouais, la connexion, elle prend cher. Hein. Enfin, ouais. Et ça en demande beaucoup. Hein. Le PC, il est vieux. Hein.
C'est pour ça que je fais que du. Enfin. C'est que des vieux. Je fais que du rétro parce que. Là, tu vois, là, j'ai essayé Dark Souls. Même Dark Souls, c'est déjà trop récent, quoi. Le 1. Alors qu'il a. Je sais pas moi. Il a peut-être 5 ans, je. Dark Ah, Souls. les graphismes sont trop puissants. Ouais, c'est ça. Non. C'est exactement ça. Yes. Ah, c'est. La clé, la clé, la clé, la clé! Non, une fée. Putain, une fée de merde! C'est bon, ça les fées. Un de côté. Un de Et si côté. tu pousses le bloc Parce que là, pour l'emmener. Je voulais voir si je peux l'emmener à la porte. Ah putain. Pour l'emmener de l'autre côté. C'est un peu la patine à y avoir. C'est fou quand même que Ocarina of Time, tu tripes trop sur ce jeu. Tu vois pas le temps passer, il est énorme. Et celui-là, bah celui-là il est galère quand même. Hein? Que tes exigences sont différentes. Ocarina of Time, t'en as encore le souvenir de l'époque où Ah non non! Non là tu non! l'as pas refait il y a longtemps. Je l'ai refait il y a quelques temps, mais je l'ai refait longtemps après la première fois quand même. Traverse, traverse. Ouais, je sais, je les ai déjà mis en place. Oh, j'ai horreur de ça. Franchement, Ocarina of Time, je l'ai refait longtemps après la première fois. Hein. Et j'ai autant trippé. J'adore. Quand t'as Epona et tout, Ouais. enfin, tout est mythique. Alors, on revient ici. D'accord. Puis tu découvres vraiment un nouvel univers avec les auras, les gorons et tout. Là, y a rien de nouveau, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas mal quand même. Ouais, y a le délire des masques, mais. C'est pas. On aurait dû faire Donkey Kong. Lequel? 60, bah, Donkey Kong 64. Flèche de feu. Ouais. J'ai essayé, ça fait rien. Ça fait rien. Sérieux? Tata, Mais attends, tu peux pas l'allumer, ça? Si, tu peux l'allumer, mais. Ah, je sais. Et ça fait rien? Non, faut allumer les deux en même temps. Il y en a une au fond, c'est. Tous les coups. Ah, faut avoir trouvé le bon axe. T'es sérieux? Oh Faut allumer deux en même non, il y en temps? a trois en fait. Ou alors Faut se mettre. ou alors ou alors si, il y a des fois il y a des trucs comme ça dans Zelda, il faut les allumer vite. Ouais. Sais, t'as un time, quoi. Il faut faire vite. On se met au milieu des trois. Il tremble. Il a Parkinson, Link. Ah. Non, tu sais, tu peux rester. Ah. Ouais, voilà, tu peux rester comme ça. Et là, viser. Tu vas. J'ai peur de mana. Ça demande de la mana en plus. Ça. Plus bas. Non, Plus c'est bas, bon. plus bas. Ah, c'est bon. Troisième. Yeah! Où la porte? Elle est juste derrière moi. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Ouais, mais. Ouais. Est-ce qu'il faut. Ouais, fallait allumer les trois en même temps. Enfin, en même Ou temps. vite. Assez vite. Ah Avant tiens, que ça s'éteigne. envahir un peu si tu veux. Il y a une porte fermée à clé encore. Hein. Ouais. C'est ça? C'est pour ça, on va la trouver s'il te plaît. Ah, t'es mignon. Non, mais t'as pas de dents pour moi. putain.
comment je vais faire comment je vais faire pour YouTube pour uploader le marathon sur YouTube sans me taper 25 heures de montage. C'est surtout ça en fait. j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu avec Castlevania. Non, sérieux, c'était horrible. Enfin, c'était cool. Enfin, franchement, le montage, je kiffe ça, mais... c'était trop long. Bah, tu découpes la vidéo. Tu fais pas d'intro, que dalle. Mais c'est pas l'intro, hein. Justement, moi, je préférerais qu'il y ait que de la mise en scène avec une bonne intro et quasi... Ah, d'ailleurs, j'avais pensé à un truc qu'on n'a pas fait. Ouais. Encore ? On n'a pas fait encore. C'est le... Le confessionnal. De se mettre dans un coin et dire alors, qu'est-ce que t'en penses du jeu? Moi je décide d'éliminer Sylvain. Ouais, exactement. Son André était pas terrible. C'est exactement ça. C'est s'est rattrapé sur les profiteroles, mais ça ne sauve pas le repas. c'est que malheureusement ça a vite parti en couille, à mon avis. C'est exactement ça que je pensais. Mais non, mais il faudrait que ça soit mieux cadré, il faut que je le prépare, quoi. Et là, j'ai rien préparé. Oh non, bah, putain. J'adore les freezes en plein milieu de, ouais, de l'élan. Freeze! Don't move! T'as mangé? T'as mangé une galette? T'as le droit d'en faire une deuxième si tu veux. Fais-toi plaisir. Ça ira pour le moment. T'as l'air crevé toi. Pouah, il m'a gavé ce putain de bonhomme. on sentait. Mais il me prenait rien à son pattern à la fin, c'était n'importe quoi. Quand il se téléporte là? Ouais. Et il va y avoir un moment. On va se galérer. Ah bon? Un seul? Encore pire que ça? Non, mais je pense au niveau sommeil en fait. Il y a un moment où on va se galérer. Pourquoi? Bah, je veux dire, on va pas tous tenir la nuit blanche là. C'est pour ça. Et bim, la duchesse d'Aquitaine. Donc, vous me dites dès que vous avez envie d'aller vous coucher. Et on dort du coup? Et ben, t'as le choix. Ouais. T'as la piole juste derrière. Ouais. T'as la piole en bas. Celle où on bordait le cul. À gauche. Ouais. T'as la salle télé, on va dire. Tu peux déplier le canapé. Tu me donnes deux parfums et une planche. T'as là. T'as là aussi. T'as aussi là. Je vais vous laisser jouer, puis je vais m'endormir sur vous. Je vais me jeter dessus comme ça. Prochain. Bon, je suis capable de dormir là. Bon, si c'est pour encore t'entendre péter toute la nuit, ça ira. C'est le chat. Il est vénère, mais. Ça serait drôle quand même. Oh mon dieu, je ne peux plus passer. Tiens, il y a un gros rocher. Je fais du piano sur un barguet. Do ré mi fa sol la so do mi. Do ré mi fa sol la so do. Comment il s'appelle? Ah, c'était le chat, mais il est tombé. J'ai abattu ma famille sur un coup de tête. Et je ne veux pas. Ah, mais si tu peux monter de en bas à partir de là en fait. Lui on l'a. Non mais ça on l'a déjà fait. J'ai obligé de repasser par là je crois. Je l'ai fait à un instant quoi. Vas-y traverse, dépêche-toi parce que t'as pas le temps hein. T'as plus le temps. Moi non plus. Perdu. C'est ma bite. Alors maintenant qu'il y a ça, est-ce que je peux les faire. Ah. Est-ce que je peux les faire fondre? Je pense. Je pense effectivement. Ah bah non, regarde, si ils prennent cher. Une troisième, et c'est bon. Voilà, bon, ça j'ai fait de malade. Pas du tout. Putain.
putain. Ah oui, bah comme ça on remonte directement là. Un petit peu de magie, merci. Tu es bien urbain. Alors est-ce que j'ai quelque chose par là? Je tire au milieu quand même. Ah parce que là la colonne au milieu elle est montée. Donc du coup. Bah si. Tu ouais. peux grimper. Putain. Et ça. Ça change de couleur quand même. Hein. Bah ouais, si ça devient rouge, c'est pas pour rien, mon ami. Bah ouais. C'est juste à l'impact. Parce que même si je tire dans un mur. Si tu mets une bombe. Si je tire dans un mur tout bête. Ah ouais. Non, mais je pense qu'il faut que. Le pur traverse. Ouais. Yeah! Pourquoi ils lui ont jamais appris à parler, ses parents, Link? Ouais, c'est vrai. Moi qui le détestais. Il se peut parler. Il s'est jamais. Hey, yeah, c'est vrai qu'il a jamais parlé une seule fois de sa vie. Il y a un truc au-dessus de la toile, je crois. Ouais. C'est quoi? Regarde. Tu peux. Flèche du haut. Et. Ah non, c'est parce que j'ai ça, ouais, d'accord. Ça, parce que là, tu vois. Non, c'est comme ça, tu vois. Ah ouais, celui-là. Voilà. Voilà. Et avec le. Ouais, voilà. Et là, tu. C'est à l'envers. Ouais, donc là, il y a bien un truc là. Non, mais tu vas le chercher par où? C'est un petit peu vide. Putain, c'est tendu. Et c'est du foutage de gueule. Là maintenant faut que... Bah si maintenant je peux remonter par là, comme ça je passe encore à l'étage au-dessus. Voilà. Donc là il y a le truc, c'est... Et on a toujours pas trouvé la clé. Il nous manque une motherfucking key. T'as pas moyen de sauter là où il y a le... Là où il y a le trou. C'est ça que tu dis? Ouais. Il est où le trou là? De l'autre côté, je crois. Et au-dessus de ça, je crois. Non, non. Aïe. Mais dis donc, je viens de perdre mes deux tibias. Qu'est-ce que c'est drôle. Est-ce que la demande est sur celle-là? Mais tout ça me parle sec. À moins que. Est-ce que j'ai été au fond? Est-ce que j'ai été au fond? J'ai battu, j'en peux plus. Sur un coup de... Mais c'était vachement cool. C'était super chouette. Et là, en bas, ça donne. Ah! Ça donne sur un truc qu'on n'a pas fait. T'es qui? Mojo? Mojo. Ouais, pour remonter quand tu tombes. Ouais, on s'enfoirait. C'est exactement ça. Ah, t'es arrivé au bout du chrono tout à l'heure, non? Et du coup, t'as dû tout refaire? J'ai fait upset. Mais comme je savais déjà ce qu'il fallait faire, du coup, je me suis pas emmerdé. Ah, attends, vois, regarde. Ouais, c'est pas faux. Parce que maintenant, il est remonté. Et là, ça devrait le faire redescendre. Maintenant, je peux continuer à chercher ma clé. C'est une fois que j'aurai trouvé ma clé qu'il faudra que je le remonte. Voilà, espèce de bandit catin. Ça fait quoi ça? Ça te sort le coffre qui manque la clé. Non, sans déconner. Allez, on y croit. C'est juste ça? Non, de ma gueule. À tous les coups, c'est une fée encore. Ouais, c'est sûr ça. C'est une vieille fée. Tous vous faire foutre. Oh yes! Oh, putain! Bien joué! Attends deux secondes. Une fée. Ouais. Super. Qui s'en fout quoi. Moi. C'est quoi? Et le chat est toujours décédé. Il aime la mort. Et pourquoi quand t'as un héros t'as pas d'amis? Tu t'imagines, tu files le masque Goron à ton pote, tu dis vas-y va appuyer sur l'interrupteur, il te monte là-haut et puis basta. Tranquille. Non, faut que tu te fasses chier à faire tout. Tout seul, tout le temps, comme un crevard. Tu peux pas avoir de potes en fait. Link, c'est un no life quoi. C'est, 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 un,
C'est un pauvre mec, quoi. Pas de chance. Oh. Oh. Bah, le cucu. Non, là, on l'a déjà pris, la clé, il me semble. Ouais. Là... De toute façon, là, il n'y a plus de coffre, donc ça, c'est sûr. Oh. Dans ce coin-là. Putain, je vois pas. Il n'y a plus de coffre. Là, c'est l'interrupteur deuxième. Et du coup, il est où le trou dans le mur? Dans le mur? Il est dans le mur, mais je veux dire... À mon avis, le trou dans le mur... Par où on va pour y aller, quoi? Par les murs. Merde, et puis... Ta gueule, mais... Oui, il est mal, hein, je suis tombé. Bah, t'as qu'à faire gaffe, mon pote. C'est quoi cette casquette de paix? Je l'ai gagné. Je l'ai reçu chez moi, je l'ai gagné en fait. Tu l'as gagné sur quoi? Bah en fait quand il y avait le Hobbit là au cinéma, ouais. il faisait un jeu sur Allociné ou sur Facebook, je sais plus. Et en gros, c'était des énigmes à la Gollum, tu vois. Ouais. Et fallait répondre aux énigmes, et quand tu répondais à toutes les énigmes, bah tu gagnais un truc. Tu as répondu à toutes les énigmes? J'ai répondu à toutes les énigmes, et j'ai gagné une casquette. Wouh! Génial, super. Je flétris parfois contre le vent, sous mes poils gris, je sens le parmesan. Non, c'est je flétris au contact du vent. C'est quoi la réponse des vases? Comment ça doit être sa bite? Perdu! C'est ma bite! C'est ma bite! Putain, mais je suis revenu au même endroit, fais chier. Ce serait tellement. Franchement, mais. Tellement marrant. Hein. Ouais, je sais pas si on va pas prendre un PC et sortir la Solus là, parce que. Non. En tournant en rond, quoi. Quoi? C'est par là. C'est par là. On voit pas. Ça, c'est bloc de glace, là. Tu les as déjà pétés, non? Ah, on l'a fait ici. Et donc, ça revient, ça respawn, en fait. Ouais. Parce que c'est les seuls blocs de glace où il y a les... Donc, ça sert à rien. Attends. Il reste un coffre quelque part là-bas. Mais oh! C'est qui joue au baseball? C'est qui vit des fonds? T'as une tête à chapeau! Mais lâche ça, ta espèce de gland! Hé, j'ai un tonneau, je suis comme ta! I got a jar of dirt! I got a jar of dirt! Jack Sparrow, il va se calmer! Je pense que t'es pas mal aligné là. Non? Oh, je le sens pas! Il faut croire en moi! Le coffre est à gauche! Ouais. C'est vraiment Sonic, hein, c'est vrai. Il a pris du poids, Sonic. Elvis Presley, il a mal vécu la fin de sa carrière. Oui! Oh, ça oui! En, ça en est un, il y a une fée juste en bas. Putain, espèce de sac à teint. Mais alors, tu sais où elle est la porte avec la clé? Si, la ça y est. Ouais. Faut que je remonte, que je redescende, que je repasse à gauche, à droite, en haut, en bas. Vas-y, Francky, c'est bon. Comment ça s'appelle ça quand t'as les parois qui disparaissent? Tu vois le truc? Non, je peux pas parler. Tu sais, quand la caméra elle est. Elle suit pas? La caméra elle est dans le mur et du coup le mur il disparaît. Ça a un nom? Ça porte un nom. Un glitch? C'est ça? Une merde. Ça glitch? Voilà. J'essaie d'apprendre les nouvelles techniques. Faire genre, je connais.
plus marrant, c'est quand même les OOB, hein, dans ces cas-là, qui sont les... Les OOB ? Out of Manjari, c'est quand ton perso, il traverse la map. Ça, c'est les techniques de speedrun, ça. Putain ! Mais ça, t'en as pas marre d'en foutre partout. C'est j'ai vu le... Je crois que c'est le speedrun de... Zelda 3. Ouais. Link to the Past. Link to the Past. Sur Super NES ? Hein ? Ouais, sur Super NES. Mmh. Et en fait, il le finit genre en 2 minutes, tu vois. Et le truc, c'est que tu fais un OV. Voilà, et t'arrives directement au boss final. Quoi. Ah, il en faut aussi sur Ocarina of Time. Ah bon ? Mmh. Ouais, il passe du village Kokiri à la tour de Ganon, directement. Putain, c'est dégueulasse. Pourquoi tu le fais pas ? Et genre, ouais, tu passes par un vieux bug de merde. Oh non ! C'est ça, tu passes par un bug, en fait. Sauf ouais. Samuel, bah tiens, je te laisse la suite pour aller chercher du salopin. Merde, putain. Parce que sinon, là, c'est ton... Je sais pas par où placer, moi. Je sais pas... Oui, allô. Moi, je dis, on a fait chacun notre partie. C'est à Sylvain de finir le palais. J'en ai fait une bonne partie quand même. Il y en a partout. Je suis en plein milieu et je dois aller en plein haut. Ne sais pas. Si. Ne se prononce pas. Tu veux continuer? Là où il y a la clé, c'est là, remonte, troisième étage. Troisième étage, et tu vois, t'arriveras sur la petite pièce à gauche qu'on n'a pas visitée. Ouais, d'accord, mais là, je suis là. Mm-hmm. Pardon, j'ai pas une tête à casquer du tout. Putain, mais non, mais là, ça m'aide pas. Ah, t'es quand même magnifique. Non, parce que j'ai une tête ovale. Ça m'aide pas du tout. Contrairement à une personne, j'ai beaucoup plus long que large. Donc les casquettes ne vont pas. Les chapeaux, ça peut encore aller. Alors les casquettes, ça me fait une tête de con, tu dirais Donald Duck qui a pris un mur. Ça tue un peu le concept. Tu vois une dinde en doudoune. Ouais, à peu près autant de place. Non, moi ça va. Toi ça va les casquettes. Ça se porte. Ah mais toi aussi ça a été pas drôle parce que t'as des cheveux antigravitationnels. Là t'as des cheveux qui montent. Moi j'ai des cheveux qui descendent. Moi ils sont attirés par le sol. Est-ce que je... Moi ils sont attirés par le ciel. Je sens. T'as des cheveux oiseaux. Tu verras quand ils sont plus longs. Tu mets ta casquette ? Ok. C'est l'avantage du cheveu attiré par la terre. Du cheveu de Newton. C'est ça, toi tu préfères ça. Voilà. Ouais, vas-y. Mais ouais. Je peux les caler dans des positions bah, super marrantes. Hein. Je peux vraiment les faire tenir comme ça. Oui. Bah, tu sais, quand tu prends les. Mais tiens, comment ta casquette ? Les Black avec une afro qui se met des pailles, mais carrément dedans. Bah, moi je peux. Toi tu peux. Peut-être c'est pas, t'es pas breton, t'es black. Ouais. Je me disais bien au niveau de la grosse bite. Au niveau de la couleur de peau. J'aurais plus dit les grosses lèvres, mais. Pas ce qui se passe en dessous de la ceinture, j'ai pas du tout envie de le savoir. C'est pas du tout mon orientation. Ouais, tu nous as bien raconté que t'étais circoncis. Ouais, mais ça c'est médical ça. Et encore, moi c'est l'inverse, mais je te dis qu'on enlève un bouton crâne à moi. Moi y'a pas besoin d'en enlever. Imagine un chinois circoncis, un chinois juif. Qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce que tu veux couper? Oh, vous en faites ce que vous voulez. En pirate. Du calamar dans une paille là. Un choix pour le lavabo. Petite bête. Petite bête. Oui, bah oui. Bête, oui, pour le coup, oui. Oui, bête, oui. Bête. Oh, mais si tu circoncis un Renoir, tu fais quoi du coup là? Un collier. Un collier. Fais une bague. Un serre-tête. Des cordes de guitare. C'est pas un peu plus un élastique le machin. Tu t'attaches les cheveux avec. T'as un chouchou. Il est beau ton chouchou, il est fait en quoi? Des prépuces de mon âme. Ok. Ok. Je te laisse toute seule. Hein. Achète ma mère. Achète ma mère. Oh, je vais fumer. D'où? Oh merde! On se transforme en Pierrick. Mais non, mais. À ce stade-là, je crois que ouais. Mais en non. Fait, je suis la première partie. Je prépare les gens à ce qui va se passer quand les deux autres s'y mettent.
YOLO! Super. Franchement. Mais faut que t'attendes un petit peu plus longtemps. Je c'est pense. Parfaitement inutile quoi. Ce qui me semble que t'as des. Tu sais, ça fait des petits puffs. Regarde. Voilà, y'en a un. Vas-y. Tu as vu? Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. T'as été tout aussi haut. C'est de la merde. Non, mais s'il y a ça, c'est que ça doit servir à quelque chose. Et pour moi, la seule chose à quoi ça sert, c'est à rien. C'est aller chercher une fée. Une quoi? Une fée. Une fée. Tu connais la fée préférée des hommes? Ouais. La fellation. Ouais, je connais. Bon, il y a elle fait la sympa. Vaisselle aussi, il fait le ménage, il fait les courses, il fait chier. Ferme ta gueule. La ferme. Ça, c'est la fée pas aimable, ça. Je suis une fée. Ah, t'es la fée quoi? La ferme ta gueule. Non, mais je vois trop, genre le mobile camionneur en tutu rose. Et c'est qui elle là-bas? Tu mets une barre aux chaises. C'est. Va lui demander. T'es qui? Je suis la ferme ta gueule. Moi je suis la fée pas chier. Mais quand là, je regarde un là, gars, là je en fait, développe mon. En fait, c'est. Oui, en fait, c'est con. C'est juste con. Il faut juste. Ça, bah bien. Il faut juste monter. Allez. On monte. Par Kingston. Ah, faut on doit viser. Par Kingston, le gars. Je sais plus qui c'est, ça, c'est les Vertos ou les Non-Propos, je sais. C'est le nom d'un album. C'est pas les Fatal Picard qui ont fait une chanson? Ah, si, c'est peut-être les Fatal Picard. C'est les Fatal Picard qui ont fait une chanson de Parkinson Le Glas. Ouais. Alors, oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Non, non. Gauche. Non, non. Là. Sors, t'as plus de temps. T'as plus de temps. Par là. Oui. Non, mais oui, non, mais oui, jette pas dans le vide. T'as pas... Non, parce que. Mais non, mais t'as le filet en dessous à gauche. Avec l'échelle au bout. N'en cherche pas pour l'instant ici. C'est de la grosse boue. Voilà. Là, c'est... On va arriver. Oui, là on était tout à l'heure avec la porte et fermée à clé là-bas. Donc faut que tu deviennes un petit quasi-dimir. C'est ça? Ouais. Dégage, tu l'es! Ils utilisent quand même le mot tripoté quand même. Merde! Ah, t'as du bol! Je sais pas si t'es retombé, mais t'as du bol. Elle est. C'est bon ça? Ah merde, non, c'est pas bon. Ah non, c'est la pièce maudite avec le PD qui se téléporte. Non. Putain. Oh, je vais balancer ton paquet à la gueule. T'es prêt? Fais un, chier. Deux. Merci. Oh, le rebond, j'ai remis exactement là où il était placé. Dans ma main. Impeccable. Putain, je dois tout recommencer. Oui, ça devient dur là. T'as des pelles? Des pelles. Oui, ouais, oui, on a, on a un truc qui s'appelle l'eau d'Alapel. L'eau d'Alapel? Oui, c'est vrai. Que s'il faut l'enterrer. J'ai essayé, ça ne sert à rien. Elle ressort? Et il ne se passe rien. J'ai essayé deux fois de suite, genre je vais essayer de l'appeler, je me suis dit bon, ça putain marche pas. Ça marche pas la première fois, j'ai essayé une deuxième fois, je me suis dit non, en fait, ça fait vraiment rien. T'avais du réseau? Apparemment. Tu sais, puis là, t'as le carnet. Ah, ouais. Je vais. Les gars, je vais commencer à rager. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que ce bruit-là, de chargement, quand à l'époque où il y avait les modems AOL bas débit, c'est exactement le même bruit que faisait mon Amstrad CPC 646. Quand il chargeait une cassette pour jouer à un jeu, t'en avais pour 20 minutes, pour jouer 10 minutes à ton jeu. Tu as un 464 plutôt? Non, 466. Parce que moi, j'en ai un chez moi. À cassette? Vert dégueulasse? Avec un écran pas noir et blanc, vert et jaune. C'est un CPC 464 le mien. Oui. Ah, quoique, c'est peut-être un 646. Je sais plus, c'est 464 ou 646, mais il y a. C'est 464. C'est 464. Ouais. Et non, c'est vrai que c'était fun ça. Tu sais comment on l'a récupéré? Non. C'est une collègue de mon père qui lui a donné parce qu'elle en voulait plus. Elle est très très con. Ouais.
Il y avait tout le monde d'accord pour tous les chercheurs sur l'idée de guerre. Ben, c'est ma vie qui a cherché ton jeu et tout. Ça me saoule. Merde.
Il y a du temps. Putain. J'ai à peine 5 minutes pour finir le monde. Le temple. Oh putain. T'es qui toi? Oh nom de Dieu! Ils sont plusieurs. Sérieux? Putain, mais ils m'en finissent quoi. Je me fais poutrer, voilà. Je me fais poutrer, putain. Je raterris où? Non, c'est mort. Je n'atterris pas là. J'arrive à un boss là, mais putain, il m'a démonté quoi. Tu l'as tué? Qu'est-ce que t'as pas compris? Je sais pas, t'as peut-être pu recommencer et puis... Non, il m'a démonté. Et je vais recommencer. Démonté! C'est gâteau au bête de Chamonix. T'es prêt? C'est le même principe que les loups, ça. Ouais. Tu peux les Faut que tu te protèges et tu peux les taper qu'après leur attaque. Non, ils te les esquiveront toutes, tes flèches. Non, non, je les ai poutrés tout à l'heure comme ça. Ah, mais tu bouges ta mana. T'inquiète. Et normalement, quand t'arrives au boss, à mon avis, faut que tu sois plein de mana. Parce que... ça c'est pas faux par contre. Parce que c'est toujours oh, l'arme qui te donne dans le donjon. Ouais, mais il y a des. Il y a noir de jarre avant d'arriver au boss. Ouais. Putain! Il y a tout ce qu'il faut avant d'arriver au boss. Putain. Donc là, oui, vous avez bien vu, il reste 6 minutes pour battre le boss.
Pour battre le boss, exactement. À gauche, ouais. Oui, un peu. Non, non. Je suis déjà allé. Je vais quand même niquer les jarres pour avoir. Voilà. La mana qui va bien. Oh putain. Ouais. Là, c'est le même que tout à l'heure. Ah ouais, c'est le même. Je sais pas comment niquer parce qu'il y a un moment où il se dédouble. Il est partout. Il y en a plein. Parce que. Moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que tu te mets juste à côté d'une stèle et tu vises avec les flèches. Ah, mais jusque-là, tout va bien. Là, je le déboîte. Ok. C'est la deuxième phase. La deuxième fois. Là, ça va. C'est la troisième fois qui commence à être sympa. Voilà. C'est qu'en fait, il apparaît. C'est là où on rigole. Il apparaît vraiment qu'à un seul endroit, quoi. Faut que tu trouves le bon. Faut que tu trouves celui où il se met à tourner. Tu surveilles toutes les stèles et tu cherches celui où il se met à tourner. Dis-moi, franchement, parce que. C'était là-bas, c'était au bout. Là. C'est celle-là. M'infinise. Là. Ah, voilà. Allez. Encore une. Vas-y, attaque-le. Ah non, c'est qui de l'or. Elle a la clé du boss. Non, c'était la porte là-bas. Ouais, mais attends, parce que. Va au maximum le temps. La dernière fois, ça m'est arrivé de sortir de là et. Le temps que t'as du temps. C'est là, hein. Ouais. Tant que t'as du temps. Voilà, au moins, il y aura la clé du boss de prise. Avec filet. La porte derrière. Quoi? Ça c'est une. Ah oui. Et là je vais où? Tout droit. Là-bas? Ouais. J'en viens? De celle-là? Hein? De celle-là? Ouais. Ah, c'est pas là. C'est ça. La pied du boss, de toute façon la salle de boss, voilà. Elle est tout en haut. Bah tu vois là c'est. Bah non c'était de l'autre côté. C'est bien dans la grande salle. Vas-y mais start. C'est à gauche. Là. Ou à droite, ouais. Non c'est pas là. C'est. Là, c'est... Regarde s'il n'y a pas un truc à déclencher, un coup de flèche ou un truc. Ah c'est là-haut tu vois. Faut que t'arrives à le remonter d'encore un cran pour y avoir accès. Qu'est-ce que j'ai loupé? Le dernier interrupteur. Celui avec lequel tu peux avoir accès, à mon avis, avec la trappe cachée. Ah, mais y a pas 15 000. Y a pas 15 000 endroits quoi. Eh mais tu te souviens de la trappe là qu'on a vue qui était pas accessible? Tu sais, non, que tu vois comme un œuf là. Ouais. Bah à mon avis c'est là. Que tu t'accèdes au dernier interrupteur. Si je vais par là, par exemple. Ouais, sur le truc. Essaye de taper dedans, en bleu. Là. Merde. Si.
Non, faut de la glace pour que tu puisses déraper avant le temps. Et là maintenant, que je suis là, pète les burnes. Attends, tu peux essayer un truc? Vas-y. Franchement, fais-toi plaisir, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. C'est pour voir un peu plus voler. Il est juste en face de toi. Hein? Pourquoi est-ce que... Est-ce le seul pilier d'une couleur différente? Bah oui, on a bien compris qu'il y avait un truc à faire quoi, mais putain, mais quoi? Est-ce qu'il faut le démonter à coup de... à coup de goron, avec de l'élan quelque part? Parce qu'à mon avis, en rentrant par là... Parce qu'après, la salle où on a besoin d'accéder, c'est là. Donc c'est la salle juste en dessous de nous. La salle juste en dessous de nous, là on est étage 2. Ce serait étage 1. Étage 2, étage 1. Je suis là. C'est incroyable quoi. Allez dormir hein. Je vais prendre un petit peu. Ah ouais. Il va falloir hein. C'est quelle chambre hein? Juste derrière. La première porte à droite en sortant là. À droite en sortant. On arrive au moment fatidique du marathon où on tombe de fatigue. Et il va falloir attendre que Pyrrhic se réveille. Là faut prendre la flèche. Un truc qui m'étonne. Il n'y en a qu'un seul comme ça.
De quoi? De monstres avec des avec, bombes? Avec des bombes sur la queue. Ouais. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment. Voir le plan? Parce que il te montrerait, hein. Non mais il te montrerait la. Vu que t'as eu la carte, il te montrerait la salle cachée. Si en général les Zelda ils te montrent la salle cachée, ils te montrent pas la porte, mais ils te montrent toutes les salles. Ça j'en suis sûr. Sinon c'est impossible de savoir les secrets. J'allais dans ici. Ouais, beaucoup. Non, parce que du fait qu'on soit sur de la glace, on glisse. C'est pour ça que des fois tu. Et j'ai fait ça tout à l'heure, moi. Lui caler les pains. Au pain dans sa gueule. Franchement, j'ai fait ça tout à l'heure, quoi. Bah, remonte maintenant. Droite. Péter l'autre, ouais, voilà. Yes. Ah putain, il y en a un qu'il faut que tu pètes de l'autre côté. Faut que tu te boules Sonic. Sonic et Rickon. Nickel. Bah maintenant il n'y en a plus. Là tu remontes? Non, par là. Non. Et là tu peux traverser. Ah putain, c'est Bixo. Non, connard. T'es sûr de ton coup là? Ouais. Attends. Garde. Vas-y. Il reste 3 minutes pour poutrer le boss. Final. Enfin, le boss final. Oui! Sauvegarde maintenant. On est juste devant le boss, on a 3 minutes pour le faire à chaque fois. 3 minutes, c'est jouable. Hein. Mais je crois, ils s'arrêtent pas le temps quand t'es sur le boss. Je sais pas. Ils peuvent pas te couper en plein boss. Je sais pas. Là, tu le libères avec la flèche.
chimère mécanique. Ah, il va tourner dans la pièce. Déjà, il commence direct, il t'enchaîne. Ben, mets-toi en goron et en boule et non. Ça a l'air d'être une pièce ronde. Ouais, mais moi je pense que tu dois lui courir après quoi. Tiens, en boule. Il revient, attends. J'ai déjà essayé ça. Ah merde, putain, il m'a enculé. Ah mais il va trop vite. Je pense qu'il faut, ouais voilà, faut le poutrer comme ça quoi. En mode on s'en bat les steaks, on est plein de piques. Ah putain de ouais, lui aussi il s'en bat les steaks, il a des éclairs quoi. Vas-y, il est là. Vas-y, rattrape-le, tu le défonces. Là, voilà. C'est ça. C'est ça la stratégie. Bâtard. Ça marche. Bon, ça serait mieux que... Ça serait bien que les jarres, elles te donnent plus de cœur que de magie, quoi. Si les jarres à côté de la porte, tu peux me demander la vie, je pense. Encore you. Et quoi? Ouais, ça donne des flèches. Il est capable de faire demi-tour, je pense. Il peut pas aller plus vite. Ah mais t'es dans le mauvais sens en fait. C'est ouais. Ça non? Ouais je pense. Ouais là, je vais avoir le temps de le faire. C'est parti. Yes. Boum. Pinage. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle dit, elle a fait? C'est parce que quand il est à mort comme ça, faut que je le fouette à l'épée en gros. Ouais, je pense. Ah, il se vénère, hein? Ouais. Quand même. Il est plus chaud là. Là, très bien. Invincible, allez c'est parti. Ouais puis regarde, il est tout électrique. Là il est au bout du rouleau là. C'est la fin. Oh putain le freinage. Il fait un vieux bruit de pneu quand il le truc pas crédible du tout dans un Zelda. Pneu. Ah ça pique. Ah! Tu l'as loupé! Putain, c'est bon ça, les esquives qui vont bien! Oh, ah! Tu es pleine tête là! En pleine poire, Marvin!
Oh putain, et il se vénère, il t'envoie carrément des bombes et tout. Mon de Dieu. Il manque pas grand chien, je pense. Là, puis attends, je joue toute légère depuis tout à l'heure, j'ai plus de mana, c'est pour ça. Ah, c'est bon. T'as un bloc. One shot first. Ah, l'enculé de sa race. Treize heures quinze de jeu. Deuxième boss, 13h15. On a la moitié. Et j'estimais à 26h, hein. Je rappelle. Ça a pas changé. Deuxième masque. Putain, j'ai vécu avec toi là. Ah putain, c'était chaud. Attends, il doit rester 3 quarts vainqueur. Ça, c'est la fée qui parle. Gardien. Un petit coup d'ocarina là, à mon avis. Et là, le retour du golf. Si ça va être les auras, hein. Les auras, ouais. Ouais, je pense. Où? T'as pas un masque de Gerudo? Gerudo, ouais. C'est quoi? C'est dans le désert? Ouais, c'est les nanas, là. Les meufs dans le désert? Ouais. Je pense qu'elles y sont aussi. Parce que t'as encore l'océan et. Le désert. Et le désert, il me semble. Le canyon. Océan et canyon. Donc, oui, c'est ça les deux autres temps. C'est quoi la chanson pour. Non, ça me le dit automatiquement. Ça revient automatiquement. J'ai pas besoin de faire une chanson pour remonter le temps. Parce que là, il reste 56 secondes. dans le doute, je le ferai quand même. Je pense que. Chant du temps. Droite A, bas droite A, bas droite A, bas droite A, ok. Droit A. Droite A, bas. Bas. A, bas. Allez, le premier jour, oui. On s'en bat les couilles, on a le deuxième masque maintenant. Ça fait 2 sur 4. Qui sait ce qu'il va falloir faire après pour aller jusqu'au temple. Après qu'on ait les 4 quoi. Bah on est sur un gros temple avec un faux Ganon. Ouais, tu crois? Parce que de toute façon un Zelda sans Ganon c'est pas un Zelda. Ah je suis pas d'accord. Ganon c'est quand même le. Bah ouais mais Link's Awakening. Ouais, c'est vrai que le poisson rêve est une cauchemar. Hein. Le poisson rêve il déchire quoi. Et le cauchemar, ouais. Putain.
Moi j'ai découvert Zelda par par celui-là, hein. Par Link's Awakening. Non, pas plus c'est chien, c'est pas drôle. Lui par contre il t'encule. Le chien. Quand t'es en. Quand t'es en mojo. En petit, ouais. Bah là, tu tentes une nouvelle zone, hein. Parce qu'elle m'a dit un truc, mais j'ai pas eu le temps de capter. Hein? Elle m'a dit un truc, la greluche, mais j'ai pas eu le temps de capter ce qu'elle disait. Ouais, j'ai pas figure. Parce que là, il y a moyen qu'on se galère quand même pas mal, parce que... Là, faut prendre à zéro, là. Pour arriver à une nouvelle zone, à chaque fois, c'est putain de chaud. Ouais, vas-y, tombe par là. Il va dire, ah, oh, non. Voilà. Canyon. Vallée Gerudo. Et il va dire, ah, mais en fait, t'as une épée. Ah, bah, ça va, en fait. Tu peux passer. Finalement, c'est sympa. Et une fois que t'as une épée, t'es considéré comme un adulte, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je fais 1m20 et j'ai pas de quoi. Mais, ouais, voilà, c'est ça qui était cool dans Ocarina of Time, c'est que... Quand t'étais enfant, t'étais vraiment enfant, et quand t'étais adulte, t'étais badass, quoi. Tu pouvais vraiment te taper la princesse en tant qu'adulte. Ouais, la princesse, c'est pas du rêve de pédophile. Ouais, voilà. Crap, y a pas d'Epona. Ah bah si, y a pas d'Epona. Si, j'ai moyen d'aller plus vite. On la voit, Epona, au début du jeu. Link, il a Epona au tout début dans la cinématique d'intro, quoi. Et du coup, c'est le Majora's Mask là qui lui pique, qui lui prend, qui lui pique Epona. Parce que là, c'est la forêt. Par là, il me semble que c'est. Non mais en fait, retourne par là où t'es allé en ville. Ouais. Et de là où t'es sorti de la ville, t'as tout droit. Tu vois? Bah de toute façon, tu regardes la carte, hein. C'est les 4 points cardinaux. Donc là, il faut que t'ailles, t'es sorti à l'est. Tu vois? Le trait rouge. Tu te fais enchaîner. Lui, normalement, tu le dégommes avec l'épée, hein. Quand je te dis tu le dégommes, normalement, tu l'infinises. Là, je te tiens avec des feuilles. Non! Aussi c'est. Ouais, mais là tu rentres en ville. Ouais. Du coup tu ressors. Donc là tu sors par à l'est. Quoi. Et tu vas. Ouais, mais je sais pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Tu traces tout droit. Ah si, quoi que. Faut des cactus. De toute façon, c'est soit tout droit, soit. Il te reste deux zones à découvrir. Voilà. Et là t'es au canyon. Bon. Ah non. C'est peut-être pas cette zone là qu'il faut aller. On va voir. Merci, j'ai plus de bâton. Ah, mais t'es un missile teigneux. Attention. C'est vrai qu'il y a ça dans le jeu là. Ouais. Je me souviens de ça. Les jeux avec les missiles teigneux, ouais. Pour aller pour gagner les bourses de missiles teigneux plus ouais. Grand. Ouais, c'était classe.
pense pas que ce soit par là pour l'instant. Par contre, les auras, c'est vers le haut, peut-être. Les auras, c'est vers l'océan, donc ça doit être... peut-être vers le bas. Alors là, je sais pas. On va aller vers le bas, on va voir. Parce que là, par là, c'est... la montagne. À gauche, c'est la montagne. Ah, le gros motoculteur. Non, là, c'est les marais, là, on est déjà allé. Okay. Donc c'est en haut. C'était le début du jeu. Ouais, voilà. Là, à l'ouest, c'est la montagne. Oh merde, bah j'ai plus de banane. Et donc tout en haut, au nord, c'est la plage. Attends, c'est pas là la plage? Ou c'est peut-être là. Ah, c'est peut-être là en fait. Ça doit être là. Oh, j'ai pété. J'aime bien ouvrir des trucs comme ça. Économie de bombe. Bim. Ah, il faut le mojo. Là. Ah oui, parce que je suis un caillou là. Du coup, comme une pierre. Attends, tu recommences là. Ah oui, tu recommences là où t'étais. Enfin, ah ouais. Non, je pense qu'il y a un truc à faire dans la ville quand même avant. Pour me dire ce qu'il faut que je fasse. On va essayer, on va revenir. C'est vrai que ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Ah oui, c'est que là j'ai passé. En même temps, ils te disent rien. Nous, c'est la Solus qui nous a dit faut que tu prennes les bombes pour aller dans la montagne, quoi. Tu vois, enfin, la Solus, le chat. Mais sans ça, on était perdu, hein. C'est par là, normalement. Donc, ta sortie, c'est par là. De toute façon, s'il y a un truc, il est peut-être bien par là. Tiens. Ça, les ballons, on les a déjà pétés. Ah, mais si, pète-le, lui. Ah, parce qu'il va nous donner des cartes. En fait, on lui a déjà acheté une carte, mais Ah, mais t'as pas assez de thunes. Laisse tomber, t'as pas assez de thunes. Et puis le flèche. En plus, t'as pas de flèche. Ah. Ah, du coup, j'ai pas. Attends, j'avais. Il y avait 99 thunes, mais avant. Ouais, mais parce que. On s'est fait niquer pareil tout à l'heure. En fait, quand t'as fait la mélodie du temps. Ouais. Et ben. Ah, ça se remettait à le bien zéro. Ouais, parce qu'en fait, il y a une banque à parler. Ah, tu peux poser tes thunes et puis... Il y a une banque en ville et bon, on sait pas où elle est. Et du coup, tu dois pouvoir poser tes thunes. Je trouve ça un peu pourri, quand même. Mais... Là, il y a les fées. Ça sert à rien. Vas-y, toi. On sait juste pour qui on va mettre mon mana. Ouais, si tu veux. Alors autant les grandes traits sont dégueulasses que les petites traits sont tout bonnement fantes. C'est clair que c'est pas très... Des machins, ils ont les ailes sur la tête. Je sais pas d'où il est. Je sais pas qui c'est qui a fumé. D'où ça sort que... Ce qui a fumé le dessinateur. Tiens, je vais faire des faits qui ressemblent à rien. Mais je pense qu'ils ont voulu triper à ressortir le design des premiers Zelda, tu vois. Sauf que les premiers Zelda, ils étaient en 8 bits dégueulasses, tu sais. Et du coup, ça ressemble à rien. Sauf qu'un truc qui ressemble à rien en 8 bits, ben... Tu fais jouer ton imagination, quoi. Un truc qui ressemble à rien en 64 bits. Ouais, bah, c'est bah, ça juste... se fout de ta gueule. Quoi. Juste, ça ressemble à rien. Ouais. Pourquoi j'ai pas vu ce qu'elle m'a dit, c'était peut-être fun.
Bah, elle t'a dit elle t'a dit océan non, ou canyon. Non, elle m'a rien dit. Elle m'a dit un truc en rouge. J'ai pas fait gaffe. Ah bah c'est lui. Mais tout. Il prend des intérêts. Ah mais c'est surtout qu'il débloque la bourse avec des poules rouges. Ouais, ça c'est vrai que c'est... C'est le téléporteur. Ou sauvegarde téléporteur si tu veux. Merde. Sauvegarder et quitter, quel con. En fait, t'as pas le choix, t'es obligé de quitter pour sauvegarder, je crois. Ouais. C'est un peu pourri, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bah souvent tu sauvegardes quand t'arrêtes quoi. Étant donné qu'il y a des sauvegardes automatiques quand tu joues. Ah oui. Ah. Je sais pas peut-être faire ça, celle-là. Ça va décider la petite conne là. Je crois que t'en as une. Je crois qu'on en a, on en a chopé une. Vas-y, fais voir, start. Attends. Attends, reviens. Encore. En dessous du bouclier. Non, c'est la bourse de bombes. Ah merde. On a dû l'utiliser. Ah non, bah non. Ou alors, tu sais, faut attendre. Bah non, il faut encore retomber. Oh, moi je suis prêt dans un monde avec une lune qui a une tête comme ça. Putain, tu m'étonnes. C'est peu de le dire. On va essayer de trouver hein. Ça doit être par là, ça va nous débloquer. De toute façon, là où tu seras bloqué, tu sauras quoi faire. Enfin, c'est logique, je pense. Mais lui il va te dire tu vois. Là c'est les montagnes. Non, c'est le. Si, là, par là, c'est les montagnes, c'est sûr. Ouais. Ensuite, c'est les montagnes, donc on a dit que c'était. Ça, c'est le nord, là. Ouais. Donc, c'est. Et le sud, c'est les marais. L'ouest, c'était le canyon, donc c'est à l'est.
je pense. On va bien voir, hein, t'as vu la tête que ça va être tout à l'heure. Dans l'autre sens, de l'autre côté. Alors là, c'était la vallée Jurilo. Ah putain, et bah alors c'est bah alors c'est à l'est alors. Ah, à l'ouest. Mais oui, mais on l'a déjà fait. T'étais coincé. Ouais, non, c'est vrai, je me suis fait buter dans le trou. Non, oh, tu rigoles. Je me noie dans 10 cm de flotte. Oh non, ça c'est abusé, franchement. Monsieur Caillou qui tombe au fond. Merde, toi, je suis trop loin. Ah, il faut que tu fasses le champ du ralentissement. Faut que le temps s'écoule moins vite. Non, putain, et je suis retourné chez Gerudo, moi, faut que j'arrête. Parce que Gerudo, c'est toujours en dernier. C'est à l'ouest. Ouais. Mais après, c'est toujours en dernier. C'est ça, c'est toi qui le dis, mais on sait pas en fait. Ah, un truc. Bon, on va aller voir par là. Vamos a la paraire. Ces bêtes là dans les Zelda Game Boy, je crois qu'ils sont deux fois plus petits que toi. Et là c'est les mecs qui sont deux fois plus gros. Et là en fait ils sont deux fois plus gros en fait. Et c'est les mêmes bêtes. C'est les mêmes bestioles. Hein. Les trucs qui sortent du sable. Là, faut que tu te mettes en mode Joe. Mais par contre, ça pue la merde hein, quand même. Il y a un truc, je pense, faut se méfier. Pourquoi il te dit de viser là? Parce que les bestioles au bout. Et elle dit quoi la fée? En fait, c'est l'été, les trucs qui donnent du bois là. Y a pas d'issue ici. Parce que le masque Goron, tu l'avais eu ouais, dans la caverne. Là, il faut le masque bronzé pour pouvoir plonger jusqu'au fond. Mais le masque Goron, tu l'as eu tard. Enfin, on l'a eu après. On l'a eu une fois qu'on est allé, on était dans la montagne. Ah quoi. Voilà, c'est ça que j'attendais. Je sens le lieu de l'océan et de la pluie. Mais... Faut que t'ailles au ranch. Et le ranch il est vers les marais, donc c'est à dire au sud. Euh...
Là. Je crois que ça va être à droite là. Ouais, c'est là. Route du lait. Rentre-Romanie. Poutre le mec avec son ballon là au-dessus. Attends, il faut des. Il va te filer la carte. À moins que. Hey, c'est bon, pas grave. J'ai de la malade. C'est pas grave, je suis Goron maintenant. Il est où ce con? J'ai trop loin. Alors lui il a vraiment une tête de con. C'est le cas. Vénard, chanceux. Ouais, carrément, on prend le... Et l'autre, t'étais à combien? L'autre était à 20. Ouais, moi, ce qu'il y a là. Monsieur, j'arrive pour télé. Oh putain, il a ralenti, non? Ouais. Ça marche pas. C'est que ça doit être ça. Ah non, c'est qu'il se barre. Putain, je galère. À quoi? 2h40, 1h45. Putain, je fatigue, fais chier quoi. J'aime bien ça.
Attends.